Bonjour à tous et à toutes. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour ces cours. Ces cours qui sont offerts gratuitement par CTEA. C'est toujours avec vous votre professeur Semius pour la continuité de ces cours. Eh bien, on va entamer rapidement avec la sécurisation de l'écran. Après avoir, placé les parties blanches découpées, on a vu comment setup l'écran. Maintenant, on va voir comment sécuriser l'écran. Eh bien, on a toujours avec nous David. David qui va nous montrer comment et peut-on et sécuriser l'écran, comment doit-on procéder pour sécuriser l'écran. Eh bien, maintenant, on regarde ce qu'il fait, David. Il a pris l'écran, donc il a pris de l'adhésif, voilà. Il va couper l'adhésif, maintenant, voilà. Il coupe l'adhésif. Eh bien, il va déposer ça dans les parties tracées, dans les parties qu'on avait setup, qu'on avait tracées, les angles et les traces et les lignes. Voilà ce qu'il fait, voilà. Il a placé l'adhésif exactement dans les parties qu'il avait tracées, les angles et les lignes. Il a placé ça dans les angles et les lignes qu'il avait tracées lorsqu'il a setup l'écran. Voilà, il va continuer à le faire. Ce que je dois vous dire qui est important et qu'il faut jamais oublier, on doit sécuriser l'écran à l'intérieur et à l'extérieur. Il faut sécuriser l'écran à l'intérieur et à l'extérieur pour ne pas laisser aucun espace vide. Et s'il y a un petit trou, un espace vide, je vous rassure que l'encre va passer et l'encre va de toute manière salir l'impression. C'est-à-dire que les parties qu'on ne veut pas que l'encre apparaisse, eh bien, si on n'a pas bien sécurisé l'écran, je vais vous montrer ça dans les cours suivants. On va voir que si on n'a pas bien sécurisé l'écran, eh bien, il y a des parties qui auront des encres, qui auront de l'encre, et des parties qu'on n'avait pas besoin qui prennent de l'encre. Donc, c'est ce qu'on va voir dans les prochains cours. Et David continue avec la sécurisation de l'écran. Il continue avec la sécurisation de l'écran. Donc, c'est ce qu'il fait maintenant. Il sécurise l'écran. Et voilà, il continue, voilà. Il fait ça maintenant à l'extérieur, voilà. Toujours sur la ligne qu'il avait tracée, qui est mentionnée des angles, la ligne droite. Donc, c'est ce qu'il fait maintenant. Il continue à le faire. C'est ce que fait David maintenant. Voilà ce que vous devez faire vous-même en sécurisant l'écran. Voilà, il faut le faire dans les quatre parties et à l'extérieur comme à l'intérieur. Et bien, merci David, merci à vous tous qui avez suivi ce cours.